deuxième jour à Miami, deuxième matin. J'ai pas très bien dormi cette nuit parce qu'il y a les fous dingos dans notre chambre qui hurlent toute la nuit. Donc voilà, je me suis réveillée en plus avec le jet lag à 5h du matin et j'ai pas trop réussi à me rendormir. Mais c'est pas grave, là du coup il fait un petit peu moins beau qu'hier, dommage. Un petit peu gris, mais il paraît que demain il va faire super beau et demain c'est le jour où on va dans les Keys, les petites îles du sud de la Floride, donc c'est le plus important. Du coup là on va commencer par aller payer notre amende qu'on a eu hier. Je vous montre le petit panneau pour ceux qui n'ont jamais vu ça de leur vie tout comme moi. Donc voilà, park heading only, donc on n'a pas le droit de se garer en marche arrière. Je savais même pas que ça existait dans le monde. Damien, quand on a pris l'amende, on n'avait pas compris pourquoi. Il m'a dit si ça se trouve, c'est parce qu'on a le droit de se garer qu'en marche avant. J'ai rigolé. J'ai dit non, mais jamais de la vie, où est-ce que t'as vu ça? Ça n'existe pas. Et en fait, si, ça existe. Donc voilà, on le saura. On va partir après faire un petit tour. J'attends Damien, qui n'est pas là. Car nous devions partir à 9h30 et 9h45, Damien n'est pas prêt. Est-ce que ça vous étonne? Je ne crois pas. Trop gras, je sais pas, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc voilà pour ce qu'on a mangé. Yael, combien de phases là-dedans? Les phases, je sais pas, mais le gras, on est pas mal. Au niveau des lipides, on est pas mal. Le plat est extrêmement brillant, comme vous pouvez voir, c'est incroyable. Voilà, mais bon, c'était quand même excellent parce que si le gras, c'est la vie. Voilà, c'est tout. Voilà, du caramel autour du poulet, qu'est-ce qu'on demande d'autre? Rien du tout, rien du tout. Voici le mall. Après, voici notre prochaine destination. Voilà. Et on prendra une dizaine de kilos en plus, comme ça sera parfait.